Bien-aimés, bonjour, c'est votre frère Éloge Ekissi. Voilà, bienvenue à cette nouvelle section de prière. Sans plus tarder, nous allons commencer à prier pour annuler les œuvres de l'ennemi, pour détruire la magie. Remercions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour l'occasion que tu nous donnes de nous adresser à toi et de prier pour protéger notre vie. Éternel, viens prendre le contrôle de ce moment et guide-nous alors que nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, s'il y a quelque chose pouvant bloquer notre prière, Père, fais en sorte que cette chose nous soit pardonnée. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous et donne-nous la victoire en tout lieu et en tout temps, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, le principe de cette prière est simple. Une fois que vous répétez la phrase ou le mot, le point de prière, vous pouvez faire une pause et continuer à répéter juste à ce que vous soyez sûr d'avoir bien exécuté votre prière et ensuite vous laissez couler l'audio pour aller à la prière suivante. Cependant, si la vitesse à laquelle je prie est convenable pour vous, c'est-à-dire vous arrange, vous pouvez prier en laissant l'audio couler, mais sans toutefois mettre de pause. Une fois cette prière exécutée ou terminée, vous pouvez la répéter encore et encore. Notez bien que ce n'est pas le fait de répéter la prière seulement qui va vous apporter quelque chose, mais c'est le fait de croire en ce que vous dites et de vous attendre à recevoir quelque chose de la part de Dieu qui vous donnera la victoire. Dans certains cas, l'on peut faire quelques prières et avoir un résultat immédiat. Mais dans d'autres, l'on doit prier pendant des heures, des jours, voire des mois ou même des semaines, avant d'avoir une réponse, selon que le Saint-Esprit guide la personne, oriente ses pas et lui permet de trouver les phrases nécessaires pour bien orienter sa prière. Or, dans ce cas, vous n'avez même pas besoin de souffrir ou de réfléchir pour trouver les points de prière. Je vais vous les donner, ce qui vous permettra de vite toucher votre cible et de vite atteindre votre but. Voilà, nous allons commencer. Répétez ceci avec moi. Je brise toute magie programmée dans le sol pour m'affecter à perpétuité tant que je suis en contact avec la terre et je l'annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute magie programmée dans le sol pour m'affecter à perpétuité tant que je suis en contact avec la terre et je l'annule au nom de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, je brise et j'annule toute chose programmée dans l'air pour m'affecter tant que je suis en contact avec l'air et la retourne à son envoyeur au nom de Jésus. Je brise toute magie du soleil qui combat ma destinée et l'annule au nom de Jésus. J'ai détruit tout décret qu'il a reçu contre moi et je l'annule dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise et j'annule toute date prévue pour ma mort par la sorcellerie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise et j'annule toute date et circonstance programmé par la sorcellerie pour ma mort et l'annule au nom de Jésus. Je brise et je révoque toute circonstance prévue par la sorcellerie pour ma mort et j'annule sa date de concrétisation au nom puissant de Jésus. Je mets fin à tout cycle de la sorcellerie qui affecte ma destinée depuis des années et je sors de la captivité au nom de Jésus. Je détache mon âme et la libère de là où elle a été attachée par la sorcellerie au nom puissant de Jésus. Je détache mon âme et la libère de là où elle a été attachée par la sorcellerie au nom de Jésus. Je foudroie toute bouteille mystique qui a été utilisée pour me condamner et enfermer ma vie et je l'explose au nom puissant de Jésus. Je foudroie toute bouteille mystique
qui a été utilisé pour condamner ma vie et je l'explose au nom de Jésus. Je brise toute chaîne avec lesquelles mon âme a été environnée et emprisonnée et me libère de toute captivité au nom de Jésus. J'ordonne à tout homme qui a avalé ma destinée d'accoucher et de vomir dans le nom puissant de Jésus. Il est écrit dans le livre de Job, il a englouti les richesses, il les vomira, Dieu les chassera de son ventre. Que le ventre de tout sorcier et de tout animal satanique ayant avalé ma bénédiction explose et que mes bénédictions soient relâchées au nom de Jésus. Je brise toute chaîne que je traîne inconsciemment à mes pieds et me libère au nom de Jésus. J'ordonne que tout homme fort ou toute femme forte ayant avalé mes bénédictions les vomissent avec un effet immédiat au nom de Jésus. Femme forte, enceinte de mes bénédictions, parce que tu les as avalées, reçois un violent coup de tonnerre en plein ventre et accouche au nom de Jésus. Je te l'ordonne et te le commande. Accouche au nom de Jésus. Que tout pouvoir dans les ténèbres qui avale la réponse à mes prières soit éventré par l'épée de Dieu au nom de Jésus. J'ordonne aux portes des prisons de l'enfer de s'ouvrir et de libérer mon âme au nom de Jésus. J'ordonne aux portes du séjour des morts de relâcher ma destinée, mon âme et ma vie au nom de Jésus. J'ordonne aux portes des prisons de l'enfer de s'ouvrir et de libérer ma vie au nom de Jésus. J'ordonne aux portes des prisons dans le monde invisible de s'ouvrir et de libérer mon âme au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chaîne de la sorcellerie autour de mon âme, brisez-vous et détachez-vous au nom de Jésus. Chaîne de la sorcellerie autour de mon âme, soyez frappés par l'épée de l'Éternel. Détachez-vous et libérez-moi au nom de Jésus. Corde invisible qui me retenait au même endroit depuis des années, recevez le tonnerre et brisez-vous au nom de Jésus. Corde invisible qui me retenait au même endroit depuis des années, recevez le tonnerre et brisez-vous au nom de Jésus. J'ordonne que toute puissance satanique assise sur ma destinée soit frappée par le tonnerre et renversée au nom de Jésus. J'ordonne que toute force de la maison de mon père et de ma mère assise sur ma vie soit frappée de plein fouet et renversée au nom de Jésus. J'ordonne que tout homme fort qui utilise ma vie pour faire son trône satanique soit frappé de plein fouet et décapité au nom de Jésus. Chaîne de la mort qui environnait ma vie depuis des années, brisez-vous et libérez-moi au nom de Jésus. Corde de la captivité qui me retenait au sol depuis des années, détachez-vous et laissez-moi prendre l'élévation au nom de Jésus. Corde de la captivité et du retard qui me bloquait depuis des années, brisez-vous et détachez-vous au nom de Jésus. Main de la sorcellerie qui paralyse mon potentiel, sèche, brise-toi au nom de Jésus. Envoûtement de la sorcellerie qui couvre ma destinée depuis des années, brise-toi et sois annulé au nom de Jésus. Porte des séjours de l'enfer, je vous ordonne de vomir ma destinée et de libérer ma vie au nom de Jésus. Porte des séjours des morts, je vous ordonne de vomir mes destinées et de libérer ma vie au nom de Jésus. Je détruis toute prison dans laquelle j'ai été enfermé dans le monde céleste et ordonne la libération de mon âme au nom de Jésus. J'invoque le marteau de l'Éternel pour foudroyer tout cadenas que le monde des ténèbres utilise pour bloquer mon passage et mes destinées au nom de Jésus. J'invoque le marteau de l'Éternel pour frapper et briser tout cadenas et verrou de fer
que le monde des ténèbres a utilisé pour bloquer ma vie au nom de Jésus. Je brise et j'annule tout ce qui a été dit et fait contre moi pour bloquer ma vie au nom de Jésus. Sang de Jésus, efface toutes les mauvaises choses qui ont été écrites sur moi pour s'accomplir cette année au nom de Jésus. Sang de Jésus, efface toutes les dates que l'ennemi s'est fixées pour exécuter son plan dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, si je me retrouve là où mes ennemis souhaitent que je me retrouve, empêche-moi de faire ce qu'ils attendent que je fasse au nom de Jésus. Seigneur Jésus, si je me retrouve là où mes ennemis souhaitent que je me retrouve, je déclare que je ne ferai pas ce que mes ennemis souhaiteraient que je fasse et je ne mourrai pas au nom de Jésus. Seigneur, empêche-moi de me retrouver dans les temps et dans les circonstances fixées par mes ennemis pour me détruire au nom puissant de Jésus. Je brise toute date prévue par la sorcellerie pour exécuter leur plan au nom de Jésus. Je prophétise que lorsque mes ennemis viendront comme un fleuve, les anges de l'Éternel apparaîtront et les détruiront immédiatement au nom de Jésus. Il est écrit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Seigneur, lorsque mes ennemis viendront de jour comme de nuit, que ton épée les décapite au nom de Jésus. Je brise le pouvoir de toute magie programmée contre moi dans l'eau pour m'affecter lorsque j'entre en contact avec l'eau et j'annule son pouvoir au nom de Jésus. Seigneur, si j'ai bu une eau envoûtée, je détruis le pouvoir de cette eau envoûtée et je l'expulse de ma vie au nom de Jésus. Seigneur, si j'ai respiré quelque chose qui a été envoûté contre moi dans l'air, je détruis le pouvoir de l'envoûtement et j'expulse l'envoûtement de mon corps au nom de Jésus. Seigneur, si j'ai inconsciemment mangé une nourriture envoûtée, je brise le pouvoir de cette nourriture envoûtée et je me libère de son emprise au nom de Jésus. Seigneur, si j'ai été maudit par quelqu'un qui m'avait aidé dans le passé et qui s'est appuyé sur son aide pour me maudire, je brise la dette et je révoque sa malédiction au nom de Jésus. Seigneur, si mon âme a été capturée dans le monde des ténèbres, je brise la captivité et je libère mon âme de toute emprise satanique au nom de Jésus. Seigneur, si ma nourriture a été envoûtée par le monde des ténèbres et je l'ai mangée sans prier, je brise l'envoûtement et je me libère au nom de Jésus. Seigneur, si le nom que je porte a été envoûté pour que tout ce que j'entreprends et tous mes dossiers comportant ce nom échouent, je détruis l'envoûtement et je prophétise le succès sur mon nom au nom de Jésus. Seigneur, que toute chaîne qui environne ma destinée se détache et me libère et la libère et libère ma vie au nom de Jésus. Seigneur, si j'avais été spirituellement enterré, je détruis l'enterrement et je brise son emprise sur ma vie en libérant mon âme au nom de Jésus. Seigneur, si mon esprit avait été spirituellement enchaîné et emprisonné, je brise les chaînes et libère mon esprit de la captivité au nom de Jésus. Seigneur, s'il y a un complot qui plane sur ma vie, je brise ce complot et je bloque sa date d'accomplissement au nom de Jésus. J'ordonne à mon esprit de sortir de tout emprisonnement, de sortir de tout emprisonnement. Sors au nom de Jésus. Toi, mon esprit, je t'ordonne, sors de la captivité. Sors de la captivité. Sors de la captivité au nom de Jésus. Toi, mon âme, je te l'ordonne, sors de l'emprise familiale. Sors de l'emprise familiale. Sors de l'emprise familiale au nom de Jésus. Seigneur, si je suis captif de l'autel familial, je sors de l'autel, je sors de l'autel, je sors de l'autel au nom de Jésus.
Seigneur, si je suis sous une emprise satanique familiale, je sors de l'emprise, je sors de l'emprise, je sors de l'emprise au nom de Jésus. Seigneur, si je suis contrôlé par les forces de la sorcellerie familiale, je brise leur contrôle, je brise leur emprise, je brise leur pouvoir, je brise leur domination au nom de Jésus. Que tout homme fort ou toute femme forte établi sur ma vie par la sorcellerie pour contrôler ma destinée soit frappé de plein fouet et soit renversé au nom de Jésus. Soyez frappé de plein fouet et renversé au nom de Jésus. J'ordonne que toute prison dans les lieux spirituels où mon âme est retenue s'ouvre et libère ma vie au nom de Jésus. J'ordonne à tout lieu de concentration des âmes dans le monde céleste de s'ouvrir et de libérer nos vies et de libérer mon âme au nom de Jésus. Seigneur, si mon esprit et mon âme avaient été spirituellement enchaînés et emprisonnés, je brise les chaînes, je détruis la prison et j'ordonne notre libération au nom de Jésus. Que tout geôlier de la sorcellerie qui garde les portes de l'enfer pour m'empêcher de sortir de l'enfer soit frappé de plein fouet par le glaive de l'Éternel et décapité au nom de Jésus. Soit frappé de plein fouet et décapité au nom de Jésus. Que tout gardien de la sorcellerie qui surveille mes portes de bénédiction soit frappé de plein fouet par la hache de l'Éternel et décapité au nom de Jésus. Tout gardien des portes de destinée installé sur mon chemin pour me rétrograder chaque fois que je dois avancer soit frappé de plein fouet et décapité au nom de Jésus. Je brise toute main satanique qui retient ma destinée au même endroit au nom de Jésus. Je brise toute main satanique qui annule le fruit de mes efforts et je paralyse ses actions au nom de Jésus. Seigneur, que toute chose qui a été faite pour que ma vie ne progresse jamais soit brisée et perde son pouvoir au nom de Jésus. Je brise et j'annule tout accident par lequel la sorcellerie veut mettre fin à ma destinée au nom de Jésus. Je brise, je bloque et j'annule tout accident tragique par lequel la sorcellerie veut mettre fin à ma destinée au nom de Jésus. Je brise toute arme de la mort prématurée forgée contre moi par mes ennemis et j'empêche son accomplissement au nom de Jésus. Je révoque tout rendez-vous avec la mort qui a été pris pour moi et je bloque tout ce que les sorciers veulent entreprendre pour me pousser dans leur plan au nom de Jésus. Je brise et j'annule tout malheur, tout accident d'avion, tout incident programmé par la sorcellerie pour se venger contre moi au nom de Jésus. Je bloque toute vengeance de mes ennemis et fais échouer leur complot au nom de Jésus. Je bloque toute vengeance de mes adversaires cherchant à mettre ma vie par terre au nom de Jésus. Je fais échouer les ruses et les plans de toute personne cherchant un moyen pour se venger de moi au nom de Jésus. Je détruis les plans de tout individu qui s'est déguisé pour venir accomplir sa vengeance au nom de Jésus. Je détruis les ruses et les complots de tout ennemi déguisé qui cherche un moyen de se venger de moi en se faisant passer par un ami au nom de Jésus. Je détruis le pouvoir et l'emprise de toute personne ayant gardé la rancune contre moi et fait semblant d'être mon ami pour trouver l'occasion de se venger de moi au nom de Jésus. Je détruis toute vengeance satanique. Je bloque toute stratégie élaborée par mes ennemis pour atteindre ma vie, pour porter atteinte à ma stabilité au nom de Jésus. Que tout individu qui viendra aujourd'hui, demain ou à jamais, avec une ruse pour espionner ma vie, soit exposé et chassé à coups de tonnerre au nom de Jésus. Je brise et j'annule tout malheur programmé et je bloque sa date d'accomplissement au nom de Jésus. Que tout individu
ayant été mandaté par le royaume des ténèbres pour me perdre le temps, pour me tenir occupé, pour me distraire, soit éloigné de moi au nom de Jésus. Je détruis toute chose par laquelle les sorciers veulent mettre fin à ma vie et je freine leur plan au nom de Jésus. Je détruis tout sujet que le diable veut nous inspirer pour nous conduire à des disputes au nom de Jésus. Que toute personne par laquelle le diable veut me faire chuter et détruire ma destinée échoue et soit exposée au nom de Jésus. J'annule la mission de tout mandataire du royaume des ténèbres envoyé pour me détruire au nom de Jésus. Je brise tout piège préparé par la sorcellerie pour mettre fin à ma destinée et mon existence. Et je l'annule au nom de Jésus. Seigneur, par ta puissance, brise toute influence des hommes et des femmes sur ma vie au nom de Jésus. Je brise toute influence des hommes et des femmes sur ma vie et je me libère de leur emprise au nom de Jésus. Je brise le pouvoir de toute personne à qui j'ai donné ma confiance et qui m'influence négativement au nom de Jésus.